Je suis temps que Arnaud me fait voir des choses que Vas-y, personne. cause. Oui, Arnaud. Tu veux que je dise quoi? Oh mon Dieu, on dirait un psychopathe dans le noir, comme ça je vois que tes yeux qui brillent. Oh my God, mais quelle est cette magnifique, cette beauté fatale. Je dirais même cette déesse grecque. D'accord, merci. Monsieur le maire a été bien accueilli. Comme pas les enfants, comme d'habitude. T'as été applaudi. Ils étaient tous en rang, en file dans la cour. Non? Oui, ils trouvent qu'ils sont très sages là-bas. Hein, oui. Au Béla. Bah, ils ont intérêt en même temps. Oui, c'est ce qu'il leur a dit. Pendant ces temps, ça m'a pas été déjà. C'est ça que je prends tout le matin pour dégraisser un peu le ventre dans ma veste. C'est sur quoi? Ah ouais, c'est mon journal filmé, tu sais que je fais. Tu vois pas sur Facebook? Non, tu vois pas. Ah, tu les mets sur Facebook? Non, je mets le lien sur Facebook, mais je. Tu le vois là. Mais tu le vois pas, non, peut-être que ça passe pas chez toi. Ça peut pas passer chez moi? Je sais pas. Ça peut passer, hein? C'est une vaisselle? Non, non, ils ont bloqué le vénin. C'est Macron qui a fait ça? Non, 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 c'est ton président. Mon président? Alors, ma deuxième fille, elle habite au Bénin. Elle s'appelle Nadège. Et officiellement, elle est officiellement ma fille, puisque l'adoption, je l'ai adoptée. Hein? Ce qui fait qu'il y a eu bon, le résultat d'adoption au mois de mai. Voilà. C'est officiel. D'accord. Après 3 ans de démarche et de procédure. Mmh. Et quelques milliers d'euros. Là, tu connais le milieu. Là, tu connais Arnaud, Nathalie. Il a les cheveux. Tu connais celui-là? Non. Bon, ben non. Je crois pas. Celui-ci, là. Non, Arnaud, non, peut-être pas. Arnaud, Nathalie. Non.
Ah, c'est Arnaud. Non, c'est pas vu. Non, tu l'as pas connu. Non, tu l'as pas vu. Arnaud de la Rose. Bah si, quoi. Il y a longtemps, quoi. Ouais, bah il y a longtemps, en 2007. Hmm ah oui, quand elle est venue, tu l'as vu. Quand elle est venue, oui. Là, c'est Nathalie. Est-ce que tu la vois? C'est la femme d'Arnaud. Elle aussi, je la connais pas. Bah, voilà, t'as raison. C'est la moitié d'Arnaud. Bon, tu as fini ta journée, là? Ah, d'accord. Okay. Très bien. Bon, bah écoute, Nadège. Bon, bah salut, Nadège. Bonne soirée. Hein. Bah, bonne soirée. Allez, hein. Au revoir, Nadège. Allez, au revoir. Que je décrivais tout à l'heure, une exaspération, un sentiment d'abandon, un sentiment de déclin, un sentiment d'oubli qui est très largement partagé et qui se traduit dans les sondages par le fait que 7 à 8 Français sur 10 soutiennent ou au minimum manifestent leur sympathie vis-à-vis de ce mouvement. Et donc la conclusion politique que le président doit en tirer et qu'il a déjà tiré, c'est que, indépendamment du nombre de personnes qui sont dans la rue aujourd'hui, ces gilets jaunes expriment une colère légitime.